Ok, bah du coup, hop là, on recommence. Ouais. Laisse-moi host. Ok, ok. J'ai l'impression que ça. Ça... Je sais pas. Comment niquer son cadet? Ouais, voilà. Allez, vas-y, on recommence. Ah non, merde. En vrai, ça serait bien si t'avais un moyen de forcer ça, tu vois. Ouais, ouais. Genre dans les settings, que genre t'avais dans les settings aléatoires, ou alors forcer l'équipe bleue à être bleue, ou l'équipe rouge à être rouge. Ou alors forcer l'équipe rouge à être rouge. Mais c'est très dur à implanter ça, c'est vraiment. C'est pas facile. Ah oui, ah c'était dur hein, oh là là. Ah oui, alors là. On savait même pas comment faire, on a dû prendre un turn. Mais attends, mais en vrai, je vais le demander à Vélerne s'il n'y a pas un moyen de le forcer ça. Si genre tu peux pas. Après, je sais pas, peut-être ça lui prendrait trop de temps, tu vois, mais je pense qu'en vrai, ça va pas forcément te prendre un max de temps de faire une option. Ah non. Et ça nous ferait économiser tellement de temps, tu vois, quand on prépare des parties ou alors pour des tournois, pour préparer des rushs et des tactiques. Préparer des rushs. L'autre, il s'entraîne à acheter ses 8 hélicos, tu sais. Tu vois, que comme ça, tu connais bien comme, les positions. Ouais, ouais, bien au coup, les spawns, c'est ça. T'es vilain. Et tu vois, et tu connais bien aussi les endroits où est-ce qu'il faut artiller au LRM la route. Oh my god, just kill me. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux te faire marcher dessus? Ah non mais... Attends mais cette carte là, quand t'es dans ce spawn, mais putain mais t'es en Chine. Ah oui. Est-ce que je t'envoie plein de M1 Abraham dans... sur Foxtrot? Ou alors j'attaque Golf comme les 2000 fois où je l'ai fait sur cette carte? Des choix, des choix, des choix. Ah oui, les choix sont compliqués. Franchement, je pose la question parce que quand je te vois jouer ce deck, tu utilises beaucoup de M1 IP. Mm-hmm. Peut-être que j'aurais plus utilisé. Je sais pas. C'est vrai que le M1 Abraham, il manque un peu de puissance. Quand le combat n'est plus que contre des VCI ou que t'as des tanks adverses, donc ouais, peut-être que j'aurais plus utilisé. Ouais, je crois que surtout contre l'infanterie, je crois que ça vaut vraiment quoi. J'ai pas fait les maths, mais je crois que tu passes de 2 à 3 shots avec pas mal d'infanterie et ça te laisse vraiment les permastun et tout sans t'inquiéter, tu sais. Ouais, j'ai tenté. Ouais, vas-y. Dans cette partie, du coup, je te dis pas où est-ce qu'ils vont, mais j'achète 3 M1 IP. D'accord. Ouais, je vais tester de voir si effectivement ça marche. Ou alors tu m'as donné un conseil pourri pour avoir une victoire. Ça se peut, j'ai déjà fait ça. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Je sais pas. T'es vraiment un sac si tu fais ça par contre, hein. Je te déteste. Ah oui, petit conseil, utilise tu vois genre de très très bonnes armes, utilise les snipers, n'hésite pas à utiliser les snipers, les deux escouades de les mecs, oui, c'est vraiment ultra efficace. Ouais, genre les camps chemins en plus, ils peuvent nager, en tout cas dans la lore, tu vois. Ça serait bien quand même s'il y avait de l'infanterie qui peut nager, non? Genre les SPS et je sais pas quoi, ça ferait. Enfin, camp ou les commandos marines et tout ça, toi. Enfin, les marines, quoi. Les marines, c'est leur super pouvoir. ouais, c'est très cool. Mais ouais, enfin, honnêtement, ça serait pas trop con, quoi, pour les infiltrations et tout. Tu sais, Delta, là. Je passe avec un petit. Après, commando marine derrière la forêt. Ça serait tellement cancer. Bah, est-ce que ça serait vraiment plus cancer qu'un Amex 10 qui peut nager, quoi, je sais pas. J'avoue, ouais, mais après la MX10 c'est un peu genre le Joker quoi, tu sors quand. Enfin, tu vois, genre tu peux pas le battre en termes de cancer. Longbow. Et franchement, je trouve que le Longbow, les gens ils râlent beaucoup, mais je trouve qu'il est pas aussi cancer que ce qu'on dit. Ah, moi je trouve ça, mais. Moi, honnêtement, si tu me donnes. Enfin, ça dépend du tech, tu vois. Si je suis en train de jouer deux motos, je sais pas quoi, tu me donnes un Longbow, je te rigole, tu vois. Mais si je suis en train de jouer ce deck-ci. Genre j'ai envie de quitter la game dès que je vois le longbow. Bah putain, mais quand même tu ça agite quoi. Bah qu'est-ce que t'es censé faire? Bah mon guépard il a la même portée et avant que le guépard il a aim il est mort.
Bah après tu le caches et en vrai ton truc genre ok il meurt mais t'as perdu 65 points, le mec il en a perdu 150. Mais le guépard il est mort, comment il tue le longbow? Bah en vrai si les deux commencent à tirer au même moment, genre le guépard il a buté. Bah alors moi j'ai des guépards de merde hein, je te dis. Ah, bah après oui, si t'as pas de chance, si t'as vraiment pas beaucoup de bol, c'est possible. Mais normalement les ils s'entretuent en fait. Enfin l'échange le plus probable c'est que les deux meurent en fait. Mais effectivement quand t'as pas de chat t'as que lui qui meurt. Et après si t'as une chatte de monstre, tu peux carrément avoir les deux missiles du longbow qui ratent. Mais là faut pas trop en demander. Ouais voilà quoi. Et sinon tu rêves de quoi la nuit? Je rêve d'un patch sur Wargame. Oh. Non, ça c'est encore plus impossible. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de bander en imaginant qu'un jour, les développeurs en aient quelque chose à foutre de ce jeu? Non, parce que j'ai pas cet espoir-là. Tu as perdu espoir il y a longtemps? Ah oui. Bon, j'avoue, j'ai compris comment ça marche, tu sais. D'abord, tu fais un jeu bien, et après, tu fais un jeu pay to win. Enfin, après, tu le transformes pay to win, c'est pareil partout. Warcraft, bah c'était vraiment bien à une époque. Si tu tapais... hein. Maintenant, oh là là, mais punaise, mais c'est de la merde. Bah après, si tu t'appelles EA, genre, tu fais comme ça, sauf que tu passes directement à l'étape pay to win. Ouais, ça c'est l'option Super Champion, tu vois. L'option Gigaradin, tu vois, tu passes même pas par l'étape bon jeu, tu passes directement par l'étape pay to win, t'en as rien à foutre, plus de respect. Ah oui quand même, tu utilises beaucoup de temps toi. Bah je me suis dit, toi aussi. Touché. C'est vrai. Et puis... Tu as fait une flèche chaude en plus. Ça tire les tanks, tu sais. C'est cool. Ouais mais tu m'as smoke ma putain de Rocco, du coup elle voit rien. Oh là là, mais arrêtez de faire n'importe quoi. Oh putain. Ouais t'as eu de la chance hein, t'as failli te faire un side shot par Cadley au moins. Et je peux te dire que mon unité elle a eu peur là. Putain, c'est tout fait. Ouverture de merde que j'ai fait. Non, 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 fuyez les gars. Je t'ai déjà vu jouer mieux, ça c'est sûr. Ah ouais, moi aussi. Hein. Moi aussi je me vois jouer mieux. Oh! Sideshot! Putain, le sideshot il a fait aucun dégât, c'est pas possible! J'ai l'impression que j'étais même pas de sideshot. Bon, après, en vrai, y a le Thunder Joke pour rattraper la situation. Oh putain, mais tu te fous de ma gueule, j'en ai tué que un et en plus tu me butes. J'en ai tué deux, mon mec. Mais je sais pas, là tu vois, vu la situation, moi je voyais 3 de tes tanks mourir. Bah, je suis très triste pour toi, tu vois. La justice voudrait que normalement t'en aies perdu 4. Ta justice, je lui dis fuck you. Putain, les riflemen qui sont pétés la gueule par tes AMX. Hein. Pas très efficace les gars, même de la grosse merde.
Et le pire de ça, quand j'y pense, c'est que même avec un Thunderbolt qui est pas chanceux, tu vois, bah, il a quand même été rentable. Ouais. Je m'étais rendu compte aussi. Comme quoi, cette unité, tu vois, genre... Elle est pas mal. Ouais, c'est tu vois, un mauvais Thunderbolt, il a... Voilà, quoi, il t'a tué 160 points de tank... C'est ça qui est con, non, c'est genre t'as beau jouer bien, mais voilà, t'es voilà, c'est Thunder Joe quoi. Pourquoi je vais te trouver un beau petit surnom. Les trucs les plus chiants qu'on joue avec toi, c'est le nombre de mortiers que tu balances, enfin d'obus de mortier que tu balances sur la gueule. J'ai un mortier dans cette game, hein, mon dude. Non, tu as un mortier pour l'instant. Oui, pour l'instant. Oh, mais ça va, on est 7 minutes en arrière. Parce que là, tu niques, t'en as un. Mais franchement, je sens venir le stack de 3 mortiers là. Hein. Bah, la dernière game, je voulais en acheter 2, tu m'as dit acheter zone 3. Bon, qu'est-ce que je vais faire hein. J'ai écouté le grand boulanger. Ah, c'est bien, t'écoutes la baguette. C'est cool ça. Écoutez la boulangerie. J'aime bien que t'as acheté que t'as amené un CS. Non mais tu te fous de ma gueule quoi. Moi? De ta gueule? Non, je ferai jamais ça. Perd en combat frontal quoi. En vrai c'est plutôt le CS qui s'est foutu de ma gueule, genre il a pas du tout fait son job hein. Lui il... Bon on peut pas le renvoyer vu qu'il est mort mais. Pour la peine mais on t'aurais bien envie en fait, c'est ça que tu veux dire. On va dire plutôt qu'il méritait son sort, objectivement, tu vois. Il s'est pas visé donc voilà. Je pense que c'était un peu de dessert, tu vois. C'était ultimement immérité. Oh là là, je me mange les seuls rocailleux de merde. Oh le corse marinier dans le dos, ça c'est sale. Ça c'est sale quand même. Un peu, j'avoue. Putain, par contre, tu t'es fait timer, j'avoue. Par contre, c'est sale par contre aussi. Comment tu t'es fait timer parce que. Ouais, j'ai le micro, pas du tout. Après j'ai eu de la chatte, c'est aussi que bah, qu'il y a mes unités qui passent par là par hasard quoi. Sinon voilà quoi. Putain et je crois qu'en vrai ils vont même perdre le combat malgré tout. C'est quand même pas mal. Attends je vais essayer. Parce que c'était 50-15 hein, ils étaient vraiment 50-15 quoi. Ah mais les corses mariés quoi hein. Ils font des corses. Après ils sont vraiment à chier les Rifleman quoi. Ah mais ok c'est parce qu'en fait ils tiraient pas à la mitrailleuse, bah oui ouais ok. Ça va. En vrai, il y a une justice quand même. Au bout d'un moment, faut pas faire n'importe quoi. Hein. On arrête les conneries. Hein.
Oh là là, la fumigène. Aïe aïe aïe. Bon, je suppose que ça va rien changer vu que tu vas réparer toutes tes infanteries. Ouais, le double CD quand même. Bah, t'es pas très agressif donc moi je. Tu plaises quoi. D'accord, je vois. Ah ouais, je profite de toi, mais bon, faut pas utiliser ça dans un sens trop sale. Il y a un nombre tellement incroyable de fumigènes vu qu'on joue tous les deux avec plein de tanks. C'est. Ça fait toujours rire quand il y a deux joueurs qui. Tu utilises des tanks lourds, genre au final ça devient un beau bordel, on comprend plus rien. Mmh. Alors, je sais pas toi si t'arrives à comprendre ce qui se passe. Je trouve que c'est un sacré bordel tout ça. Non mais là c'est du n'importe mon mec. Hein. Regarde-moi ce truc. Bon, par contre, moi ce que je comprends c'est que t'as utilisé de l'artillerie et du coup t'as gagné. Ah bah c'est cool ça, je savais pas, du coup je vais attaquer. Ouais, écoute, t'as gagné la bataille, hein, pas la guerre. Mmh. Fais-toi espoir, j'aime bien ça. J'aime pas comment les ennemis ils abandonnent trop tôt. Ah bon, si tu crois que je vais abandonner vite, tu te couvres, hein. C'est quoi cette fight quoi. Et voilà, voilà, on joue. Tiens, un peu d'artillerie, tiens, pour te donner la monnaie de ta pièce. Ouais, moi j'ai quelques tanks. Non, putain, oh putain, y'a mon clavier qui arrête de marcher, nique ta mère. Nique ta mère, putain, et comment il était mort de toute façon, mec. Non, non, en vrai, il était mort, mais je t'en pétais un deuxième. Oui, d'accord, ça je veux bien. Ah, putain, y'a mon clavier qui fait des siennes. Bon, à vrai dire, moi je suis d'accord avec ton analyse, hein. Bah, je crois que c'est GG du coup, parce que là j'ai perdu trop de tanks, hein. Mm-hmm. J'ai utilisé l'artillerie donc j'ai gagné. Yay! I'm so good at this game! T'sais, l'analyse est très très compliquée. Bah, il a utilisé l'artillerie, il a gagné, voilà. En vrai, sans faire de raccourci, si, je pense qu'effectivement, voilà. Y a artillerie, victoire. Pas artillerie, pas victoire. Enfin, j'ai ce problème où je trouve que même en blindé j'utilise l'artillerie trop tard, tu vois. Là tu l'avais depuis gavé de temps, j'aurais dû. Ah, j'aurais dû sortir l'artillerie plus vite. Tu vois ça, j'ai micro mon style aujourd'hui. C'est cool, non?
Et d'ailleurs, juste pour te faire plaisir, on va gagner un peu plus alors. Mais t'en as un ou deux? Je viens d'acheter le deuxième, ça c'est la première salvo du deuxième. Oh là là, le MBT, du coup qui se fait stun exactement au moment où il allait partir en arrière. Mais j'ai eu. Alors quoi, après je sais pas, j'ai des points d'avance mais. Je sais pas, genre comment est-ce que je fais pour te péter tous tes temps quoi? Je sais pas. Essaye un tech blindé. Je suis rigolo non? Ah, alors toi t'es marrant hein. Ah ouais. Après t'as toujours la bonne idée. Le Thunder Joke. Tu crois pas? Ouais, mais le problème c'est que j'ai vu quand même t'as beaucoup de essais déjà, tu vois. Je sais pas si j'appellerais vraiment ça beaucoup, mais j'en ai un peu. Après oui, c'est pas assez deux, mais c'est dans le début, tu vois. Je sais pas, genre une position où t'en as pas assez et du coup voilà, je te les pète tous et voilà, GG. Enfin, je retourne la situation là. Là, faudrait que je te out micro plusieurs fois d'affilée. Tu sais faire ça ou pas? Je crois que je gagne souvent contre toi, donc oui, mais bon, pas à ce point là, tu vois. Au bout d'un moment, je te respecte un peu. Moi je te respecte pas. Ah tu comprendras. Ouais, ça je l'ai compris au nombre de... Non mais c'est ça le disrespect dont je parle. Tant t'en as deux? Ah non j'en ai qu'un mais il est chanceux lui hein. Non il est mort. J'en ai acheté un deuxième parce que je me suis dit que t'allais pas refuel autant temps mais bon je me suis trompé les gars. Oui, il a refusé le temps. En plus, il est chanceux. Parce que putain, deux fois d'affilée, il te met en 3 hits. Ah, oh, l'artillerie, ça fait plaisir quand. Ça fait plaisir quand c'est pour une fois, c'est moi qui utilise l'artillerie, tu vois. Il faut s'y attendre. Hein. Mais il n'y a aucune campagne. Il faut s'y attendre. Hein. Enfin, je suis sûr, tu prévois le double là. Le double? Quoi? Ouais, tu vas me faire payer là ce que. L'artillerie. Tire l'artillerie. Bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse que acheter plus que deux quoi? On peut pas en acheter 3 dollars ça? Si, mais je les utilise en fait. Ah ok d'accord. Même que les deux j'arrive pas à les utiliser, c'est quoi l'intérêt d'en acheter 3 quoi. Ok on va pas faire ça par contre. Ah je sais pas. Bon en vrai c'est vrai que ça sert à rien. Enfin normalement avec 2 t'as largement de quoi faire, c'est pas. C'est plus un gâchis de points et de munitions.
là, ils font mal tes chars. Hein. Pas gentil ça. Ah bah moi j'utilise les gros chars, non, parce que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser des chars moyens. Même en blindé, je sais pas, moi j'aime toujours les gros chars. C'était mon erreur, j'aurais dû directement partir sur des lourds. Maybe. Tu sais, genre bizarrement, même à courte portée, j'aime bien utiliser les chars lourds, tu vois, c'est... Je sais pas, j'aime trop les chars ultra lourds. J'assiste à une spécialité. Mon Fab il est encore gavé rempli là, ça me donne tellement envie de préparer plus d'artillerie. Ah vas-y, je vais me faire plaisir. Oula non. Ouais, on va se faire plaisir. Oh, tu viens pas de stun tes propres unités là? Je sais pas, peut-être. Ouais, je crois même que t'en as buté quelques-uns, mais bon, c'est pas grave. Je suis d'accord, c'est pas grave. Ah, mon avion préféré, mais merci. Ah, bah oui, pour te faire plaisir. Hein. J'ai cru entendre que t'aimais beaucoup jouer contre. Oh, c'est pas gentil ça. Tu t'es fait chier à passer sur le bord de la carte en plus, juste pour ça quoi. Bah. Et t'as acheté deux avions et tout ça et tu m'aimes pas. Non, c'est tellement n'importe quoi cette unité. C'est tellement n'importe quoi cette unité, ouais. Alors ça, au moins, on est d'accord. Ah non, mais là, je te dis 100% sûr, tu méritais le tuer, quoi. Ah bah oui, mais merci, quoi, tu sais. J'avais remarqué, quoi. Oh là là, c'est genre, débile. T'achètes deux avions, tu deux avions sur le côté. Au même point que ton avion, quoi, tu vois. Ouais, je passe sur le flanc de la carte et tout, ouais. Je me fais bien chier. Et tout ça pour rien. Ouais. Ouais, mais c'est quelle blague ou quoi. And just you're running in the same problem as you, like you played Putin, I think it was. I'm not running into any problems. I'm not playing this map. Ah, your two, your Leopard 2s are saying. Oh, that one. A different story.
I'm not playing him, my Leopard 2s are getting outplayed. Let's not confuse one with the other here. Want to hear something crazy? Boulanger? What? I'm resupplying my supply trucks. That's not that crazy. I thought for me it is. Oh, it's a dead piece, Ryan. Oh no. You see that? Oh no, 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 no! 20 point Bradleys. This. I'm like kind of playing well. This hasn't happened to me in like 2 months. Polo, spielst du gerade einen Ranked gegen Nate? Nein. Okay. Did you have line of sight? Oh fuck, you have. GG? Yeah, I think it's GG. I killed the first I wanted to with the Leo 2s, right? Yeah. More input for your new series? Yeah, this might go on YouTube, except that it's Franglish. So I don't know if I. Boulanger is definitely gonna upload this, I guess, but I don't know if I can. I might. Okay. It was a really fun game. YouTube channel? Boulanger, you run a YouTube channel or? Yeah, but it's like only French, so. Only French? Mostly? No, I put video on French normally, but sometimes I do English. I do more English now because when I speak with you, of course, I have to speak English. Mais non? Oui, sauf toi! Mais les autres! I mean, but what do you think about Neo 2s? Like, it's. I think for this. Like. Colonel Talbot taught me this, right? But for this short range, I really feel like Leo 2s are just so much better. Then what?
Leo 2A1s. Like, most people just take 2A1s in their decks, not Leo 2s at all, you know?